Et salut les Malous, c'est Thierry du 12, on se retrouve aujourd'hui pour notre grand tournoi 2018 sur PCM 2017. Oui c'est ça. Tournoi qui sera découpé en 10 dates, donc on sera aujourd'hui donc le 3 février jusqu'au 7 avril. 10 dates avec à chaque fois 3 étapes. Et aujourd'hui pour cette première soirée on commence par du lourd, du très lourd, Paris-Roubaix. Et avec moi aujourd'hui nous avons Nautilus et et nous avons Paul qui vient juste de cracher. Salut Paul. Et on a déjà des personnes qui ont attaqué. Donc il y a Kluger, Daniel, Bono, Nessen. Erreur en Doskas aussi et De Vries. Et en votre compagnie. Donc on a Paul qui a le Movistar, David qui a la Team Sky, donc moi qui comme d'habitude à la FDJ, Aerose 29 qui a le BMC, Pumpkinman qui a la Lotto Soudal et Nautilus qui a la Team Ancient Data. Ça se voit qu'il n'y a pas Gating aujourd'hui. Oui. Ça fait plaisir. Donc on fait donc nouveau tournoi et on a aussi un nouveau barème. Nouveau barème comme quand je l'ai annoncé sur Topic, sur PC Village. Ah t'es bah ça freeze. Bon. Donc un barème qui est beaucoup plus au niveau de la régularité. Et au niveau des chevaux, bon, ça va pas trop se voir sur cette étape, puisqu'on commence par le Paris-Roubaix, quand même. Mais quand on va voir des Grands Prix de la Montagne et tout voilà, ça va bien avantager les échappés. Mais aussi des coureurs et des joueurs qui sont très réguliers. Voilà, donc il y a Thomas qui est en train d'oublier de faire un petit écrémage. Alors que nous passons devant des vignes en plein mois de. Attention, regardez, il est en train de partir. Et ils sont en train de bordurer surtout. Ouais, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais... Ouais. Mais après, c'est vrai que Paul nous fait des crémages. Ouais. C'est parce que j'en ai arrivé. Ouais, tout ça, c'est marqué. Donc, au niveau des coureurs, on prend la même DB que pour le tournoi de Noël, c'est-à-dire une DB où il y a donc pour FDJ Ovana, il s'appelle vraiment pour la FDJ sur l'été, bien sûr. D'accord. Avec un DB. J'ai dit avec les coureurs de la FDJ, il y en a une note supérieure. Ouais, c'est ça. Donc là, on a donc Rick Embarr, deuxième grimpeur, avec 65 pavés, la Benius. Donc deuxième flamboyant, deuxième sprinter, 77 pavés, 78 sprint. Benoît Vegrenard, premier rouleur. Jérémy Roy, passe-partout, le rouleur. Démarre. Flandrien Baroudeur, bon partout, à peu près. Rudy Mollard, puncher, troisième grimpeur. On a Simolai, donc le sprinter. Et pour finir, Pino, le grimpeur. Qui est pas forcément très bon. Visiblement, la durée est assez élevée. Ouais. On discute plus trop dans le peloton. Ça, rien ne te fait pas dire. À une époque, le grenard était pas mal en contre-la-montre, il me semble. Mais bon, c'était quand même la grande spécialité de Vaugrenard, c'est quand même de coiffer. Je sais plus qui c'était, Cavendish et je sais plus trop qui au sprint. Oui. Sur le tour 2016. Il me semble. C'était quoi sur le tour 2016? Il avait massacré au sprint sur un sprint intermédiaire Cavendish et Boissenhagen, je crois. Ou je sais plus trop qui c'était. C'était assez épique. La bon. Réalisation de la carrière de Vaugrenard. Voilà. Tout à fait. Une
réalisation. Assister au même scénario aujourd'hui. Ça serait tellement bien. Alors, on me signale dans mon oreillette. Ah oui, parce que j'en ai une aussi, moi, figurez-vous. On me signale dans mon oreillette. Bon, je profite pour protéger mes coureurs. Tranquillement. Donc, il n'y a pas de formule du jour. C'est le cas, le préfère préciser. Maintenant. Le peloton a embrayé. Et il est en train donc de se mettre en route pour essayer d'aller rechercher. Je vais mettre en route. Très bien, très bien. Nous devons. Ça reste tranquille. Il y a quand même Olivier Nielsen à l'avant. Faut le dire. On va pas faire long feu. David et Paul et tout. C'est surtout moi. Oui. Oui. Mais il y a quand même un coureur de David. Et ils sont. Voilà, donc 200 km de l'arrivée, ils sont 6 en tête. 211. Ça risque d'être un beau pari en bleu, parce que à mon avis de voir plein de craquants et tout ça, mais il faut surtout tout faire pour que nos meilleurs grimpeurs ne perdent le moins de temps possible. D'ailleurs ça me fait penser que... Moi je dis Nézan, il va chercher l'étape. Et ouais, voir tu peux même aller chercher l'étape plus la deuxième ou la troisième place. Hein. Bon, ça va être compliqué, mais c'est faisable. C'est clairement faisable. Vous voyez qu'on ne temporise pas, on a besoin de relancer pour prendre le siège des coureurs qui vous précèdent. Et là, on brûle aussi beaucoup de calories. Quand on n'est pas vraiment dans la roue d'un coureur, bon, alors. On fait du foyer jusqu'au premier secteur pavé. Pas du focus parce que là on se fait un peu chier. Il sera pas mal. C'est quand même beaucoup de monde, il y a quoi, on est à 50 km encore du premier secteur pavé. Ça c'est le fois 8. C'est normal. Valverde, il est chaud en ce début de saison. Hein. Ouais. Regardez, regardez comme c'était tiré. La grande bagarre est partie. Le reste de la vieille époque. La bonne vieille époque. Mais il règle quand même des yettes et tout ça. Hein. Ça prend pour le mois d'avril. En même temps, Valverde, c'est le roi du pit de forme qui dure 365 jours. Donc, C'est ça. 365 jours pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais, depuis 2010. Ouais, c'est ça. Sa forme est toujours au summum depuis 2010. Elle a pas bougé. Sauf quand il se pète la gueule, mais à part ça. C'est là où il a coupé, là. C'est ça. Ouais. Il est obligé de se casser un truc pour que... Ça risque d'être joli avec le trio Quintana, Landa, Valverde sur le tour. Ouais. Putain, si avec ça ils n'arrivent pas à concurrencer Sky, je comprends pas. Ou alors c'est vraiment des. Des. Des égoïstes parce que s'ils mettent pas tout en œuvre pour battre la Sky avec Movistar, ils vont plus se mettre sur la gueule et là. C'est fini.
S'ils se mettent tous sur la gueule, c'est fini. On n'est pas encore au cap de la mi-course. Et allez, c'est parti, trop bien. J'acquis le premier secteur pavé. C'est vrai qu'on est encore très loin de l'arrivée. Je sais pas si c'est pour aller chez vous, mais chez vous, il y a bien le l'affiche avec le nombre de d'étoiles. Vitreville, c'est joli. Je voudrais pas être derrière dans la file aérienne. Ouais, si, je le sais. Quoi ? Ah, pardon. Je sais pas si vous l'aviez vous aussi, mais il y avait la petite pancarte avec le nombre de le nombre d'étoiles de du secteur de Troyes. En tout cas, Troyes fait déjà du mal. J'ai mon arc qui est déjà quasiment mort. Décrocher ! Un leader vient de se faire décrocher. Ouais, moi déjà crevé, Zaldan. Kapotowski aussi. Qui, contrairement à la réalité, n'est pas bon, pas vu. Rail aussi, de les 55, c'est plutôt logique. Bon, on va le garder lâché, hein, avec son 55 en pavé. Non, mais. Ah, vos grenards simulés et Pinot le distancé. Petite cassure avant qu'on arrive à Kiwi à Saint-Piton. Et à la crevaison d'Amador. Et derrière, tu as Simoleil qui essaie de faire le rythme d'un groupe en attardé. Ouais, ça revient encore de. Chuté. La Danus est démarre en tête de mon côté. Ça commence déjà. Le premier. Une belle boucherie tout ça. C'est un petit peu inquiétant quand même à mon âge. Il faudra que j'aille peut-être vérifier tout ça malgré tout un de ces quatre parce que. La Cavendish. Catastrophe et crevaison. D'autant plus que crevaison n'est pas une catastrophe. C'est vrai que c'est un petit peu fort. T'as moi j'ai Pinot qui veut rien. Qui lance pas si vous voulez les à moitié. J'ai Pinot qui avance pas, il a 85 et fort curseur, il avance absolument pas. Kenbar le porte même pas. Allez, vas-y Benoît, tu peux y arriver. Vas-y Benoît, vas-y. Ramène-moi Nairo. Quoi ? Ah non, non, monsieur. Allez, Pinot. Allez, putain, il s'est dû après plusieurs kilomètres. Pauvre. Attention, un leader est décroché. On va arriver encore à Vertin, à Saint-Martin-sur-Écaille. 2,3 km, 3 étoiles. On entame la deuxième moitié de la course. Les coureurs vont maintenant être de plus en plus vigilants. Voici donc un secteur pavé. Et encore une crevaison d'Amador. Sûr et certain, là, il y a juste la place pour un coureur sur le haut du pavé. Et pour le reste, autant la première fois il a eu du bol, il a pu revenir, mais là je crois que c'est presque. Ouh, une belle. Ah, t'es, c'est con. Quand même, très problématique. Oh là là, chute, apparemment il s'agit de l'italien Vincenzo Nibali. Encore
Pas besoin de Devries, ils sont bons fous. À peine eu le temps de se retourner. Oui, il y a un autre coureur qui vient à son tour donc d'être victime d'une crevaison. Eh ben, c'est la joie. Et Benoît Vouranard qui a réussi à revenir. C'est incroyable. Tant de délicatesse. On va arriver à Verchamoudré à Kerenan dans l'échappée dans les 350 000 têtes. Encore en 3 étoiles. J'ai eu un bon écrémage. Ouais, alors ça pour avoir un bon écrémage, c'est clair qu'on en a mis en bout. J'espère que ce sera pareil. Cette année, ouais. Ouais. Ça serait sympa, ouais. Et on n'y peut encore la trouver. C'est bien. Ouais. La trouée c'est. Oh, il y a encore un peu de temps. Il y a encore 3 secteurs pavés. Si j'ai bien lu. Ouais, par contre, dès qu'il y a un secteur pavé, Pinot il suit plus. Ici, on est dans la difficulté aussi, c'est vrai, mais c'est pas de... Ça se fait un sacré écrémage quand même. Bravo. Bah c'est pas cool. C'est même pire de devoir aller sur les pavés. Bon, ça sert à rien à 130 km d'arrivée, mais... Bon, là, t'as 10 km pour souffler. Attention, un leader est décroché. Oui, c'est Pinot. On sait. Ah, t'as Viviani aussi. Viviani, Froome, décroché, comme dans la guerre de Thomas. C'est pas ce que je voulais faire, c'est un réflexe. Et c'est fait. J'ai appuyé sur le feu 4. Un gros moment de temporisation. Gros moment de flottement. Amador va revenir. Allez, à lui, Wallers, 4 étoiles. On va chercher. Alors que le groupe Pinot était pas mal de remous. Dommage. Sur un secteur pavé, le meilleur moyen, c'est quand même. Contre Amador, lui, il va revenir. Qui roule en tête. Puis facile. Hein. Une portion de plaine pour que tu... Bon, du coup, je t'ai ramené Quintana. Hein, et merci, merci. J'étais en train de le faire attendre par Oliveira. Bon, voir, ça passe. Bon, moi, j'ai Pinot qui est mort. Dans quelques instants, on va enfin rentrer dans la forêt de Valers, la trouée d'Arambert, ce secteur, Jackie, qui fait peur à tous les coureurs. Et à chaque fois, celui qui sort en tête de cette tranchée d'Arambert, en général, on le retrouve sur le podium. Arrivé avec les gants des flammes. Alors, chute ou pas? Attends, on va assister à des chutes. Bon, déjà, Oliveira est mort. Quintana finit aussi. Bach finit aussi. Pour l'instant, c'est calme. Ouais, un peu trop. Bah, c'est pas si facile. Hein.
Et puis nous qui a du mal à tenir. Décroché, un leader vient de se faire décrocher. Voilà, Salim. Ce sera le bon moment pour aller prendre. On vient d'entrer dans le dernier tiers de la course. Le sort va bientôt être joué. Ah là là, regardez ce secteur. Regardez ce secteur. Il est pas en très bon état. Pas en très bon état. Regardez-moi ces pavés. Regardez-moi ces pavés. Mais parfois il y a des remises à niveau. Tu peux que t'as 5 km tranquille. Bon, à part évidemment si t'as des Movistar qui font n'importe quoi. Si jamais on propose un secteur pavé qui est tout lisse. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse des exploits alors, hein? Bon, je regarde ça vite fait, mais les leaders, c'est qui les mieux placés? Quintana et Pino, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc on a à peu près au milieu. Et on a un Ronnie. On passait pas par le pont Gilbus. Donc c'est juste après le moins simple level, je sais plus. Ça doit être après ou c'est. Hein? Moi je me rappelle plus non plus. Possible, je sais pas. Franchement. J'ai aucune idée. La pump est en train de faire ce qu'il faut faire avec Exiberi. Ninteo serait fier de lui. Hey. Dommage qu'il ne joue plus d'ailleurs. Ah ben oui. En place, il joue à PUBG. Ah, t'es. Quintana est lâché par Pino. C'est dommage. Alors que Froome est en train de revenir au train. Quintana il. Ouais, mais Quintana c'est pareil. Ouais, mais Quintana je l'ai fait s'accrocher trop longtemps devant. J'aurais dû le faire lâcher plus tôt. Voilà les pavés. Ouais, peut-être. Après, au moins Pino c'était clairement un problème de placement. Plus qu'autre chose. Mais bon, ils sont bien obligés d'être là aussi. Parfois les équipiers. Alors, Warlin brille. Pas du tout les pavés, mais ils sont quand même. Bien obligé d'être présent. Donc il y a Sarre et Lucière. Oui. À côté d'un beau tracteur. Bien vert. Bien croquant. Très, très longue. C'est pas une Jupino là qui en peut plus. Pavé. Ouh. Attention, un leader est décroché. Putain, pourquoi je fais ça à chaque fois? Ouais, c'est encore toi les fois et tout ça. Ouais, ouais, c'est un réflexe de jouer en solo, ça. Ouais. Alors, on va arriver bientôt à Orchi. Fais gaffe, Yves, t'as Pino qui est en train de se faire lâcher par. Ouais, je sais, il n'y a plus de jus. Le Pinot était sec. Quintana pareil. Bon, c'est presque quasiment le cas pour Cubus aussi. Allez, Pinot. Tiens. Tout le monde sera content. Pas surtout moi. Alors, on va entrer à Beauvry-la-Forêt. On va aller jusqu'à Orchi. Encore 3 étoiles. Voilà, maintenant, sur les pavés, il y en a quelques-uns quand même qui vont commencer à souffrir. Pour les spécialistes de ce genre de secteur, ne boivent pas trop de bière à deux. Malin plaisir à faire vivre l'enfer aux autres. Joli.
Fodul. Et encore une crevaison. Avec crevaison de démarrage et ça commence. Ouais. C'est parti. Il y en a quelques-uns qui sont malchanceux aujourd'hui. Putain, mais Aïdel, il s'est lâché pour qu'il prenne. Il se fait lâcher par ses bidons. Ouais. C'est triste. Allez, au filier chez Bercier, 4 étoiles. Il y a encore une crevaison, regardez, il y a encore une crevaison là sur le bord de la route. Amenez-moi un peu un tableau et une craie que je commence à faire les comptes moi ici. T'es fou, mais ils sont à 2 minutes. Oh, fais chier. Pas si loin. Faut qu'on roule. À 55 peut-être, mais faut qu'on roule. Là, on va arriver à Mont-Saint-Pevel. À partir de là, ça va chier. Et c'est parti pour Mont-Saint-Pevel. Et tu vois vos renards qui sont pas bien. Et tête de marquis. Un gros plus favori. Pourquoi tu les as fait attaquer, Rose? Non, et regardez-moi cette image. Cette image ça commence à partir. Le renard la Dignus. Non, même plus. La caméra trompe ouais. Parce que je vais vous dire, c'est même encore pire que ce que vous vous imaginez. C'est encore pire. Vous savez que si peut-être vous avez ici, à cet endroit-là et que vous vous arrêtez en voiture, vous ne savez pas partir. Il a fait un bon truc comme client alors que vous regardez quoi. Regardez-moi ça. C'est vraiment c'était terrible. Mais, c'est aussi pour ça. Allez, deux étoiles. J'en ai un. Et encore une nouvelle crevaison sur le bord de la route. On est en train de crever de partout dans cette course. C'est inimaginable. Par contre, si vous pouvez rouler sur l'équipier, c'est pas grave. En même temps, c'est loin et en même temps, c'est arrivé plus si lointain, donc c'est peut-être le moment pour jouer des trucs. Quoi. Amender et Crack trop fait d'efforts. Pour venir de crever dans une chute. Ça... Et encore un temple, deux étoiles. Reste tranquillou. 32 km de l'arrivée. On va bientôt arriver au carrefour de l'arbre. Vous voyez, il y a des coureurs en difficulté à l'arrière du peloton. Ça commence à faire beaucoup de coureurs quand même. Oui, ça fait beaucoup de coureurs qui ont déjà été mis en difficulté désormais. 10 à partir à 50 km de l'arrivée. Non, ça c'était Bounen 2012. Je confonds. Non, enfin, non, c'est Gilbert sur le rond. Moi aussi. Faut savoir que Gilbert c'était un volontaire. Ouais, c'est ça. Alors Gilbert, arrivera-t-il à gagner les 5 monuments d'ici la fin de sa carrière? Bah ça dépend, il reste quoi. Et alors donc là maintenant, bah c'est une attaque dans l'échappée. Voilà, bah ça... Eh, Bert de Bakker est parti. On va dire ça comme ça, ils ne pouvaient pas rester ensemble. Bon, parce que sinon c'est pas forcément le bon... Mais ça ne nous montrera pas d'idée que... Au moment. Pour Gale, ça va être un peu mieux. Et encore une crevaison, Nir va écrire un livre là-dessus quand même. Eh merde, tu vois, putain, fais chier. C'est David, lui, il échappe. Hein. Un coureur a chuté, il ne se relève pas. Apparemment, il va être contraint à l'abandon. Tiens,
Ah, me dis pas que Bosnagin va bordel. Ouais, si. Ah, ça, c'est ballou, franchement. J'ai mal pour toi. Comment dire ? Il n'y aura rien à dire. Bon, bah... S'attaque maintenant tout15 petits kilomètres ou 15 longs kilomètres. Ouais, mais Herbiti, ça, ça dépend évidemment du moment où on se situe dans la course au moment de franchir le panneau. Il y en a effectivement quelques-uns qui vont avoir l'impression que la ligne d'arrivée ne se rapproche pas assez vite. Ah si, c'est bon. Putain, si j'arrive à revenir... Allez, allez, allez. Logiquement, là, ça devrait se regarder, donc. 10 km, ouh. 10 km. C'est ce qui reste à parcourir. Vous avez vu le panneau. Il le sait. Si, c'est au contraire, ça change beaucoup. Espérons que cela n'aura pas d'incidence sur le déroulement de la course. Et voici les pavés, le terrain de jeu. Bon, bah, David, ça. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle qu'il ait lâché. Et merde. Malheur à qui aurait un jour 100, ça aussi parce que autant sur la première semaine, chier, on va dire du Tour de France, avec les étapes de plaine et compagnie, si on a un jour 100, cette semaine-là, ça ne se voit pas trop, on arrive quand même jusqu'aux 3 km, on va dire, pour éviter toute mauvaise surprise, mais par contre, sur une course pavée, quand on a un jour 100, ça se paye cash. Non, mais lui, ça, t'en veux bien, encore une fois. Maintenant dans le final, oh, ça on va pas laisser faire, c'est pas possible, on va pas laisser faire, hein. Si jamais il a une chance d'aller au bout celui-là en plus, ouh ça va réagir, ça doit réagir dans le peloton. Ouais c'est bon, t'es pas obligé. Le sprint est parti, maintenant ça file à toute allure vers la ligne d'arrivée. Cette victoire est amplement méritée, ouais, il a terminé au courage. T'as fait 2 et 3, oh joli, pump. Oh ça c'est... C'est franchement joli. Des marcettes. -45 minutes et des. Pour Mollard, ça va être short. D'un côté. Ouais, joli. Franchement, là. Encore une crevaison, j'aimerais pas être à la place des mécaniciens aujourd'hui. Ils vont finir par faire plus de kilomètres que les coureurs comme c'est parti là. Ah bah il faut que tout le monde parte. Faut que tout le monde passe. Oh. Je fais 19 et 20. Ouf. Le grenard fait 20. Ok, j'ai vu le droit. Et le meilleur favori c'est Pinot. Finalement. On annonce une chute, il semblerait qu'il s'agisse d'un leader. Ah non, j'en ai. C'est Froome. Alors voici les pavés. Les jolis petits pavés. Non, 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 moi personnellement j'aime bien hein, ce genre de relief. Par contre, du côté des coureurs, attention, attention, parce que les crevaisons peuvent être légion sur ce. Pum, c'est le grand gagnant de ce Paris-Roubaix. Franchement, chapeau. La course est jouée, mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée. Voilà, c'est mort.
mort pour Mollard. Je vais essayer de faire pas un de. Au moins de faire que Rickenberg puisse y être. Même ça sert à rien d'être short. Bon bah Valverde est capote. Allez, allez, allez Rickenberg, tu peux y arriver. Fais chier pour Rickenberg. J'ai plus qu'un peu grimpeur. Fais chier. Moi aussi, moi je perds juste Valverde. J'ai Moreno qui est passé. Bon bah chapeau pour Pump qui est donc le grand gagnant de cette étape. GG. Qui gagne quand même. Qui ça? Ouais. Ah c'est Pump là qui a gagné cette étape. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voici maintenant les points forts de la course. À part si Sky a fait un meilleur classement par équipe. Mais sinon. Il n'y a pas de doute. On va vite voir. De toute façon. Donc David remporte donc l'étape officiellement en ayant donc 10 points à son actif. Pumpkinman est deuxième mais il remporte officiellement l'étape avec 9,5 points, donc c'est égal avec 17 points. Ensuite il y a Heroes qui fait donc quatrième, qui gagne donc 7 points. Ensuite Paul est là. Julius me suit. Heroes fait même un petit peu plus que ça, vu qu'il fait 6 et 5, il fait 11 points. Donc après c'est que le top 10 qui compte. Nautilus se suit. Il aura donc 4,5 points. Et c'est tout. Au niveau du classement par équipe, un BMC. Ah, non, c'est la BMC, toi. Yoni, Aeros. Donc, on a mis 5 points. Pumpkinman, on gagne 4,5. J'en gagne 4. David, 3,5. Paul, 3. Et un petit délire. Peut-être un truc que j'ai oublié. Je sais quelque part, c'est pas Paul qui en se prend. J'ai essayé de regarder le live en différé de Pump pour voir le moment de la chute. Il a ragé, je vais voir. Ouais, tu m'étonnes qu'il ait ragé. Tout le monde aurait ragé à sa place. Comme moi aussi, j'ai bien. Mais... moi aussi. Moi c'était peut-être un peu plus bruyant, mais. Donc, ce qui fait que au niveau du classement provisoire. Le premier pour l'instant est Pumpkinman avec 21,5 points. Il est suivi de Aeros 29 avec 17 points, de Davy avec 13 points et demi, ensuite de Mo avec 9 et demi, Paul à 9, Naughty à 7. Ouais, c'est ça. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la deuxième étape, l'étape du Tour de Californie. Entre Mountain Heights et Pasadena. Et voilà, donc on va s'amuser, on va faire du Ligman Theory, ça va être joli. Donc sur ce, à bientôt et prenez soin de vous. Ciao. J'y connais.